Cyril Hanouna et Agathe Proulx démentent le départ de la chroniqueuse de TPMP. Cyril Hanouna a démenti le départ d'Agathe Proulx, annoncé la veille sur Twitter, dans Touche pas à mon poste ce mercredi 20 décembre sur l'antenne de C8. Coup de tonnerre sur Twitter mardi 19 décembre, Agathe Proulx a annoncé à ses abonnés qu'elle quittait l'émission de Cyril Hanouna. Les amis, j'ai pris la décision de quitter Touche pas à mon poste. Je vous en dis plus très vite. Un grand merci aux équipes pour ces 8 mois exceptionnels, a lâché la chroniqueuse, à la surprise générale. Une annonce d'autant plus incroyable que ses collègues n'étaient pas au courant des projets de la jeune femme. Quand je l'ai quittée hier, je ne m'y attendais pas du tout. Elle ne m'a jamais fait part d'une envie de départ, s'est étonné Jean-Luc Lemoine dans une interview accordée à Yahoo. Sur Twitter, Agathe Proulx a promis à ses abonnés qu'elle apporterait davantage de précisions, ce mercredi soir sur l'antenne de C8. Chose promise, chose due, la chroniqueuse est revenue sur son annonce fracassante. Elle a d'abord expliqué qu'elle souhaitait quitter TPMP pour se consacrer dans la musique. Fidèle à lui-même, Cyril Hanouna lui a alors fait un gag, le présentateur lui a fait croire qu'elle chantait, les yeux bandés, sur la scène de l'Olympia aux côtés de Véronique Sanson. À la fin de la prestation, l'animateur a démenti le départ sa chroniqueuse. Je vais vous dire, en fait Agathe ne fait pas du tout touche pas à mon poste. Elle ne savait juste pas quel était le piège de ce soir, a expliqué Cyril Hanouna. Gros soupir de soulagement chez les fans de la jeune femme.